Le 10 février 2023, Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants, provoquait un accident qui causait le décès de trois personnes, dont une femme enceinte. À ce sujet, si les proches de l'humoriste Muriel Robin et Michel Larocque se sont déjà exprimés, de son côté, Mimi Mati ne l'avait jamais fait. C'est à l'occasion d'une soirée consacrée à la comédienne, ce lundi 25 décembre sur TF1, que cette dernière a mis les points sur les i concernant sa relation avec l'humoriste. Ainsi, Mimi Mati sera à l'honneur d'un épisode inédit de Joséphine, Ange Gardien, à la suite duquel sera diffusé un documentaire sur l'artiste. Dans le programme culte que Mimi Mati porte depuis 1997, l'actrice de 66 ans donnera la réplique à Vanessa Demouy et Franck Monsigny. Les téléspectateurs pourront retrouver l'actrice en deuxième partie de soirée dans un documentaire inédit baptisé Mimi Mati, Grandeur Nature, dans lequel des proches de la star interviendront pour lui rendre hommage. Parmi lesquels Anne Marcassu, la productrice des Enfoirés, Sébastien Pavard, le producteur de Joséphine, Ange Gardien, les chanteurs Jennifer, Claudio Capéo, Alice Donna, Michel Fugain, Zazie, Liane Folly, les animateurs Michel Drucker, Marc-Olivier Fogiel, Philippe Bouvard et Jean-Luc Reichmann, les comédiens Isabelle de Botton, Michel Bernier, Thierry Eckendorn, Mathieu Delarive, Line Renaud, Francis Perrin, Lola Dubini ainsi que des proches de la famille, à l'instar de Frédéric et Marie, les sœurs de Mimi Mati, ou encore Dominique, une cousine. Photo supérieure à Mimi Mati, qui sont les hommes de sa vie? C'est juste quelqu'un avec qui j'ai travaillé le grand absent, c'est Pierre Palmade, avec lequel Mimi Mati a partagé, 30 années durant, la scène des Enfoirés. Les deux comédiens ont par ailleurs collaboré sur de nombreux projets comme Le Grand Restaurant. Interrogée à ce sujet par Ciné Télé Revue, la comédienne a expliqué n'avoir jamais été amie avec l'humoriste. Je n'ai pas envie de parler de Pierre. Il est ce qu'il est, ce n'est pas un ami proche. C'est juste quelqu'un avec qui j'ai travaillé, a tranché l'actrice, ne souhaitant pas s'étendre sur le sujet. Agacée, elle a coupé court avant de revenir sur des rumeurs qui la dépeignent comme quelqu'un de froid et distant. Je suis quelqu'un de normal, qui peut avoir certaines réactions et faire la gueule, comme n'importe qui, a-t-elle rétorqué. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Bestimage.